Ok, salut à tous pour cette troisième partie sur Tales of Zestiria. Donc la dernière fois c'était un épisode plutôt tranquille, hein, où est-ce que chasser tout ça, il se passe pas grand chose, mais à la fin, il y a eu l'élément perturbateur. Le village a été attaqué par un homme renard, d'après les héros, hein, même si moi je trouve pas du tout qu'il ressemble à un renard, mais bon. Avec des très longs cheveux, donc voilà. Et là, on est parti pour aller retrouver. Oui, parce que du coup, le gars était à la poursuite de la meuf Ashley, je crois. J'ai pas retenu le nom. Si c'est Ashley, voilà. Et du coup, on part pour aller la prévenir. Et on a quitté notre village et tout ça pour partir dans le monde des humains. Allez, je vais aller assez vite quand même parce que j'avais déjà fait un test, j'avais déjà enregistré cette partie, mais le résultat était catastrophique. Du coup, faut que je recommence. Voilà. Ça y est. On commence vraiment l'aventure là. Là, on va rencontrer les monstres et tout ça. On va commencer à rentrer. いよいよここからが冒険の本番だね。ああ。まずアリーシャを見つけて狙われてることを伝えよう。アリーシャ。で、狙ってる狐を男もやっつける。今日また戦いはなるべく避けるべきだ。でも、マイセンの仇を討ちたいのは僕もだした。だが、汚れをどうにもできない僕たちは、奴を倒す。僕マソンセスリキウゼレメゾンは。退くことができるかどうか。もうジージの助けはないんだ。 Voilà, donc c'est là que le jeu commence vraiment avec donc comment dire, pas vraiment la world map, mais bon voilà. Du coup là on se promène dans les plaines et on rencontrera des monstres directement là ici quoi. Voilà, bon, on voit un loup, un serpent. Nul. Attends. Du coup, pour pas faire un mec comme écran, en fait, faut toujours faire ce qui vous demande. Sinon, votre partenaire, il fait rien. Juste, il va rester là comme un con. Bon, faut vraiment y faire direct. Parce que pendant le combat, j'arrivais pas à faire ce qu'il demandait et je comprenais pas pourquoi le gars il bougeait pas. Voilà, c'est un petit détail un petit peu con, mais bon, à savoir quand même. Peut-être utile. Voilà, une petite cinématique. C'est cadeau, à la fin du combat. Et voilà, donc ce que j'ai expliqué pendant je sais plus dans quelle vidéo. Putain, je connais pas les noms de personnages, je suis une merde. Donc Mikeleo, il vient de préparer un sorbet. Je sais même pas ce que c'est, mais voilà, du coup, plus le temps passe et au bout d'un moment, il finit par cuisiner des trucs. Donc c'est sympa. Ça, c'est l'autre style qui permet de donner des ordres. C'est pour la tactique, pour décider un peu de ce qu'on fait. Donc moi généralement je vais surtout à gauche, à droite plutôt, pour attaquer tous le même. Personnellement c'est le seul que j'utilise, ou bien la défense, ça peut être utile aussi plus tard. Pourquoi tu m'en dis super? Sinon généralement c'est mieux vraiment de diminuer le nombre d'adversaires. De se concentrer sur le même, et comme ça c'est plus simple à faire. Une fois qu'on aura super l'autorité numérique. やっぱり偶然じゃない。明らかに俺たちに寄ってきてる。
Voilà, c'est tout beau. C'est beau comme tout. Pas graphiquement, mais et voilà, artistiquement. Bon, même si c'est juste une forêt là, c'est une plaine. Hein. Moi j'aime bien. Oh, je sais plus si j'en ai parlé du coup des PA. Et c'est par rapport à. Ah, je vais trouver. Voilà, action de combat. En fait, c'est par rapport à ça du coup, ce qui te donne des bonus. Donc là du coup on voit qu'il y a plein de trucs que je peux utiliser. Et du coup ça permet de voilà d'avoir les gardes automatiquement pour 5 fois dans le combat. Ce qui peut être pratique. Mais j'ai l'impression de tricher en mettant ça. C'est con hein mais bon au final c'est une vraie capacité quoi donc. Je sais pas. J'ai pas envie d'y mettre. Je prendrais peut-être celle-là, celle de défense, faudrait que j'y fasse du coup. La charge en garde, c'est quand on reste en garde et qu'après ça augmente notre attaque. La prochaine attaque, ça le double. Si j'ai bien compris. Raté, je suis une grosse merde. Ah, attendez. C'est ça. La pub. Et la petite lueur qui dit que c'est bon. C'est chargé. Ça faut faire plein de fois pour avoir des nouvelles capacités. Des combats. J'en ai pas encore débloqué du coup, je sais pas du tout ce qu'il y a. Mais... c'est d'en faire un peu quand même. J'ai pas envie de débloquer. なんか下界に来たんだって実感してきたな。あっちこっちに目移りして道に迷わないように。ははは、地図があるから大丈夫なのだよ。ああ、転移見聞録に載っていたっけ。ただ古い地図だから自分で書き足して使わないとだけど。 Mec, c'est personnel de la même carte. Carte, elle n'a pas d'hier. C'est pas ça. La nouvelle carte, ça sert à rien. Ouais, je vais digérer vite, mais au final, je prends quand même un peu mon temps. Hein. Un petit peu tous les monstres sont de passage. Attache-la-va-se-qui-le-no-hane-chou-ni-no-kera-ban-tai-da-yo. 俺が隊長のエギーユ、その子はロゼだ。よろしくな。俺はスレイ、よろしく。今度はちゃんと自己紹介したね。うっせえ。あ、キャラバン隊ってことは旅してるの？そう、世界を股にかけてんだ。へえ。俺たちは通商条約に守られている。だからどの町も基本フリーパスだ。 密売とか持ちかけてくる変なのもいるけど、私らは信用第一。やばい仕事をこなす同業者もいるが、俺たちは俺たちのやり方である。それが私たちのプライドってやつ。うん、これが人間の証拠ってやつか。そうなんだ。なるほどな。しばらくレディーレイクに滞在するつもりだ。何回利用なら遠慮なく言ってくれよ。ね。うん、 ありがとう。営業する前に馬車を何とかしてほしいんだけど。<笑>すべ、犬だ。お、かわいい。<笑>よし。ミクリオも撫でてみたら。犬。こういう動物、数日前、アリーシャ姫がここを通って都に戻ったらしい。俺
も噂の騎士姫を見てみたかったよ。Voilà, révélation de Gyodin. 無事に都に着いたみたいで一安心だ。あの狐男は追いつけなかったらしいな。それにしても王家のものだったのか。まさかお姫様だったなんてね。姫が騎士、しかも遺跡に探索。どんな事情が。考えてもしょうがないよ。だね。あの狐男も町に入って彼女を狙ってるかもしれないし、早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。C'est parti. Mach ni hairu shinsei kana? Ima no uchi ni sumaseba, basha ga ogoitara, sugu haireru zo. Ja, sou shimasu. O. Minasan, gomeiwaku okake shimashita. Chōdo ii taimingu datta na. Lady Lake ni yōkoso. J'aime bien les armures des gardes, je trouve assez stylé quand même. J'aime bien le casque. Allez, et voilà la première ville du jeu. Qui est quand même assez grande hein, quand même. Après, je connais pas les autres villes, mais... C'est bon. なるほど、人間の町はこんな感じなのか。ちょっと圧倒されるな。だよな。さて、僕たちは観光に来たわけじゃない。まずはアリーシャを探すべきか、それとも狐男からか。とりあえず町を回ってみようと思うんだ。情報を集めたね。了解。Allez, on va se dépêcher. Je sais pas si c'est nécessaire de faire toutes les étoiles. Bon, je montre parce que c'est quand même intéressant. どうやって露天商に襲いかかった暴漢として衛兵に捕まるのを打つさ。周りの人にとっては普通の人間なんだから。そっか。C'est du coup il y a en fait des monstres parmi les humains, mais les humains le savent pas quoi. Et nous, en fait, il y a tout qu'on peut voir. Ça j'aime bien.Bien genre de truc, quoi. Et du coup, pour ici, je me pose à chaque fois la question, je sais pas si c'est vraiment des monstres. Enfin, si les gens ils voient des monstres ou si là les gens ils voient des humains.J'hésite un peu. Je sais pas, je pense qu'ils voient des humains quand même. Ils voient juste deux mecs qui se battent, mais en fait, du coup, c'est. C'est des morceaux comme ça, quoi. C'est pour ça qu'ils se foutent sur la gueule. C'est pour ça qu'ils se foutent sur la gueule. C'est pour ça qu'ils se foutent sur la gueule. C'est Tu pues la pisse. Petit con.
Allez, on se dépêche. なんかあんのか?何驚いてんのさ。あれ?そっちの兄ちゃん、なんかうまそうな匂いがするね。それ、逃げるぞ。 C'est marrant. Le petit se barre devant un enfant techniquement. Ah, là-bas il y a la petite statuette. Voilà, les fioles pour quand on est KO, ressusciter. Ah, ce que j'aime bien aussi, c'est du coup souvent quand on se balade, il y a des petits textes qui apparaissent, voilà, genre là. Je trouve ça sympa. Ça rend la vie plus vivante, je trouve. C'est, on n'est pas obligé de parler aux gens pour vraiment voir les dialogues, quoi, en fait. Après, on voit pas tous les, enfin, faut quand même parler aux gens. Quoi. Si tu vas voir leur ligne de dialogue, faut quand même aller leur parler. Mais c'est un plus. Je trouve ça bien. Allez, un épisode en totale opposition à l'épisode d'avant. Ouais, c'était tout tranquille. Là, on est dans l'action. Là. Bon, faut bien suivre le chien, parce qu'il va vite. Hein. La première fois, j'avais pas réussi à suivre le chien. Du coup, je savais pas où il était parti. En plus il est blanc, on le voit pas trop par rapport au sol et tout qui est blanc aussi. Moi aussi j'avais pas vu, j'avais tourné ici la première fois. Du coup j'ai cherché pendant super longtemps. Attends, si je lisais. Oh, la traduction est pure en français, je pense. C'est parce que je pense qu'il peut se passer un renard. Alors là aussi, par exemple, il y a les dégâts plus 1. Quand il y a ça, faut vraiment enchaîner parce que les dégâts sont... Merde. Ça fait plus de dégâts quoi. Et tant qu'on enchaîne, et bah ça continue. Et même si les autres l'attaquent, il n'y a pas que la personne qui entame le bonus et qui en profite, c'est tous les persos. Ouais, c'est quand on utilise une attaque qui marche bien sur un perso, genre
prend un truc de feu et si on fait de l'eau dessus, et ben ça va être tigré en fait. Là je lui ai quand même bien fait mal. Pareil quand il est étourdi. Les dégâts sont beaucoup plus gros. Allez, allez. なんだって前より強いんだよ。伊豆氏では爺爺の籠領域がこいつを弱体化させていたのかもしれない。メルコゲになって後悔しな。ミグリオ、今回はしっかり殺すぜ。雑魚のくせに俺の邪魔しやがったんだからね。 トリオ、違うんだトリオ。これは黙れ。お前たちは一体。三度は言わない。黙れ。ルナール、掟を忘れたか。次はない。いいな。行け。アリーシャ姫暗殺の依頼は手違いだった。 もう我らが狙うことはない。信じろっていうのか。我らにも矜持がある。振り向くな。姫は何かと敵の多い身、暗殺も姫の排除を狙った手段の一つに過ぎない。我らへの詮索などに割く猶予はないぞ。姫が気がかりなら政権の祭壇に急ぐんだな。 なんでそんなことを教えるんだ。教授と言ったろ。一応俺は言った方がいいのかな。<笑>ミクリオ大丈夫か。ああ、一体何が。助けられたらしい。暗殺組織に。どういうこと。アリーシャを狙ったのは手違いだったみたいだ。狐男はそいつらに連れて行かれた。それより アリーシャに別の危険が迫ってるみたい。見たい見たいって。しょうがないだろう。とにかく政権の祭壇に急がなきゃ。L'aventure continue. J'aime vraiment l'extrait là qui vient de passer. Je le trouve vraiment super stylé. Ça pose un petit peu le. Oh non. Le background, on va dire, de l'histoire. Nanda, Matsuri o mitai nara omote ni maaranai ka. Demo, ima oniisan totte kita. Soria boku wa uuei ni kyouryoku shiteru shi. Soyu koto da. Koko wa kankeisha igai tachiiri kinshi da. Isoiderunda. そこをなんとか。 ダメだ。 手、貸そうか。 なんか切羽詰まってたから。 どうにかして剣の祭壇に行きたいんじゃ。 そうなんだ、アリーシャが。 それは余計なこと。 とにかく助けてくれるならすごく嬉しいよ。じゃあお金が必要だね。お金？ さあ、さっきの兵士に渡すそれの下、僕たちが頼んだ上で捕ませれば通してもらえると思う。いくらぐらいいるの？そうだな、まあ1000ガルドもあれば確実かな。 Normalement je les ai pas.
じゃあ何か買い取ろっか。Je rentre jamais si je les ai avant. お金になるようなものか。Allez, la pipe de grand-père. Ça vaut bien une bonne. Une bonne pipe de grand-père. 使わせてもらうね。へえ、珍しい。いいキセル。きっとセンガルド以上の価値あるよ。ちゃんと鑑定しないと。ほら。いいんだ。それよりも頼む。オッケー。急いでたんだもんね。すぐ行こう。さあ、行こうか。うん。J'accepte les pots de vin juste à côté de mon collègue. Tranquille. この人だよ。いい。武器はお預かりするよ。さあ、出して。Bon, c'est con, mais je viens de remarquer un truc. J'ai pas pu dire avant, mais est-ce que le héros est gaucher ? ねえ、あのもらったキセル、絶対センガルド以上の価値あるよ。用が済んだらまた訪ねて。見合った取引したいからさ。うん、ありがとう。じゃあ、僕らは仕事に戻るよ。本当に助かったよ。Sanctuaire de la Dame du Lac. Grosse référence évidemment à l'effet d'Arthur, Excalibur. Ici, là, c'est un saïdan qui ne voit pas. Tu penses? Si. Oh, hey, Mikurio! C'est mon token. Tchè. Oh, excusez-moi!ちょっと見てくれ。お、何？スレイ？アリーシャ！やはりスレイ！よくぞ都へ！姫、こちらは？彼がスレイです。ああ、辺境の遺跡で姫を救ったという？スレイ、こちらはマルトラン教。今回の聖剣祭の実行委員長を務めてくださっている。そして私の槍術の師匠でもあるんだ。よろしくスレイです。よろしくスレイ殿。スレイ、都へはやはり剣の試練に。それだけじゃないんだ。実はその怪しい一団の言うことは事実だ。私のことを快く思わない者たちは多い。だがそれに臆するわけにはいかないんだ。けどアリーシャ。ありがとうスレイ、心遣い本当に感謝する。もうすぐ聖剣祭最後の祭事、上演入刀が始まる。最後まで見ていってくれ。あれが為政者の覚悟か。なんかすごいね。そうだそれ、剣の台座を見てくれ。え、うん。あれ、またもうピュデスタルだ。よし、ドーパーテン、クローシャー。みんなには見えてないってことは。天族なんだ。彼女と話せなきゃ剣は抜けないんだろ。普通の人じゃダメなわけだ。すっげえ、伝承は本当だったんだ。ミクリオ、声かけてみてよ。僕が？俺
それだとみんなに変な目で見られるだろ。しかしだな。人々よ、レディーレイクの人々よ、この数年皆が楽しみにしていた聖剣祭も世相を鑑みて慎んできた。だが今年はアリーシャ殿下のご理解と全面的な協力により開催する運びとなった。最近は異常気象や疫病、不作や隣国との政情不安など憂い事も多い。だがこんな時代だからこそ伝統ある祭事をおろそかにしてはならないと私は考える。さあ湖の乙女よ、その力を表したまえ。Juste petite parenthèse. Je suis le seul qui trouve ça bizarre d'honorer la dame du lac par du feu, pas par un bûcher. Ah, pas par un bûcher, mais voilà. Par les flammes. 湖の乙女よ、我らの憂い、罪をその高き炎で浄化したまえ。レディーレイクの人々よ、この祭りを私たちの平和と繁栄の祈りとしよう。祈りが何だってんだ。これで俺たちの仕事が戻ってくるってのか。え、評議会が武具や作物の通商権を占有したのは戦争を追っ始めるためだろう。俺たちを野垂れ死にさせる気か。こんなもんは評議会の自己満足だ。俺たちはこんなご近取りにはごまかされねえぞ。黙れ、祭りの邪魔をするな。やめないか。ふん、黙りろ。仕組んでたか、この暴動は。あの衛兵大臣の仕業に間違いない。勢力争いに守るべき民を巻き込むと。そこまで腐ったか。アリーシャ、すぐ行けじゃ。いけません、ベキーに身を任せては。氷河が生まれてしまう。氷河になったのか。人の邪神が汚れを、汚れが氷河を生む。このままでは湖の乙女なんとかできないのか。あなたは浄化の力を持ってるんだろう。天族、それにあなたは私だ。ってことだ。ミグリオ、火を消してくれ。あの黒い炎は氷魔と言っていい。僕に何とかできるのは普通の炎だけだぞ。分かった。それ、君は、私は本当に天族の炎だ。それ、まずいぞ。氷魔がどんどん湧いてくる。浄化の力は私が振るうのでなく、この剣を引き抜き、私の剣となった者が操る力なのです。それなら、スレイ、お待ちください。私の剣となるということは、私を宿す器となり宿命を背負うということ。浄化の力を操り超人的な能力を得る代償に、人に疎まれ心を打ちのめされることもあるでしょう。氷魔から人や天族を救うため苦渋の決断を迫られることも。それは想像を超えた孤独な戦いです。それが同志の宿命。それを今受け入れろっていうのか。そうですわ。だから君の名前を聞いてもいいかな。あ、はい、ライラです。ライラ、俺世界中の遺跡を探検したいんだ。古代の歴史には人と天族が幸せに暮らす知識が眠ってるって信じてるから。俺の夢は伝説の時代みたいに人と天族が幸せに暮らす方法を見つけること。氷魔を浄化することで人と天族を救えるなら、それは
俺の追いかけてる夢とつながってるんじゃないかって思う。だからライラ、俺は同志になる。この身を君の器として捧げ、宿命を背負う。私はずっと待っていました。汚れを生まない純粋で清らかな心を持ち、私の声が届く者が現れるの。よし。アリーシャ、下がってて。スレイ、ヒョーマは任せていいんだね。うん、残った火を頼む。そう任せたのか。ライオたちに私の炎で対処します。同志の力で彼らを浄化してください。スタイルが多いですね。Oui, donc dans l'extrait, je trouve ça assez marrant à quel point au début tout le monde applaudit et tout, ils sont tous contents après son speech. Et d'un coup, dès qu'elle lance le feu, enfin machin dans feu et tout, et qu'elle fait la prière, tous d'un coup ils sont tous mécontents. になったよ。静まれ、静まれ。バルトロ大臣。アリーシャ殿下、暴動が起きたと報告がありました。ええ、ですがもう収束しました。同志の出現によって。何ですと。レディー・レイクの人々よ、こたびの聖剣祭はこれにて幕とする。さあ皆さん、ご退場なされよ。立ち止まらないでください。進んで進んで。後日顛末を伺いたい。マルトラン卿もよろしいか。それではスレイさん、私はあなたの中に戻りますね。あ、うん。俺が器だもんな。不思議な光景だよ。ス
ずい。どうした？私が入ったせいですね。立子未満は高熱にうなされると思いますわ。どうして？体に入った異質な力を排除しようとする人の機能なのでしょう。天族に腰入れした人は大抵寝込んでしまいます。人が器になるとそうなるのか。やば、もうダメ。スレイ、大丈夫なのか？大丈夫くない。ちょっと3日ぐらい寝込むね。俺の姫様の悲惨を。スレイ、こっちのが事件だな。Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, la fin de l'épisode. On est devenu le bâton de berger. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour la future vidéo. Allez, salut!